Regarde comment tu es magnifique. Non, mais tu es magnifique. Merci beaucoup. Et tu portes bien, c'est... Ouh. Tu n'as pas de ce style de tenue? Non. Tu devrais. Comment tu te sens dans la vie? Je me sens bien. Franchement, j'aime bien la texture, le tissu, les finitions, j'aime bien. Tout pour moi. Enfin, jeune entrepreneur solide. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Avec toi, tu m'inspires, je pars au feeling. Genre, j'ai envie d'oser des trucs. J'hésite entre ce que je sais que tu portes, mais dans d'autres textures, et ce que tu n'as pas. On va aller dans ça. On est là pour essayer. Allez, vas-y. Va, tu essayes et puis tu me reviens. D'accord. J'opte pour un boubou, mais très, très tendance, très, très moderne. En mousseline toujours, léger, pour lui montrer un autre style de boubou. Un boubou qui peut marquer la taille. Ça, je pense que tu pourras porter avec une robe, pareil, un pantalon. Ça va être super sympa. Essayons la petite tenue. Parfait, de la suite dans les idées. Il veut que Nifin se lâche et s'assume face à lui, en enfilant sa robe qu'elle ne met que chez elle pour faire des selfies. Va-t-elle accepter? Tout au fond de toi, tu sens que tu veux porter l'habit. Pourquoi tu te retiens? Non. Dis-moi. Alors, non, je peux pas. Tu es là pour dépasser tes limites. C'est vrai. Tu es là pour dépasser tes peurs. Si déjà, vis-à-vis de moi, tu mets ta robe et tu es super belle, dis-toi que tu as tout fait. Le mot d'ordre dans mon atelier, c'est se dépasser à l'au-delà de ce qu'on pense de soi. Je stresse à l'idée de sortir avec la robe devant parfait. Je suis foutue. Attends, je vais arranger. Mais ça va? C'est joli, pourquoi tu ne sors pas? C'est court. Pourquoi tu trembles? Parce que j'ai pas la voiture. Moi, je trouve que c'est joli. Là, par exemple, tu me donnes une idée de tenue. Tu te fais une tenue près du corps, trois carreaux longs. Arrête de trembler, tu es jolie. En fait, tu sais, accepte ton corps. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne seras jamais heureuse. Hein. Tu sais, jamais, tu ne seras jamais, jamais heureuse. Quel gâchis, parce que Nifa, elle est magnifique. Elle peut taper dans ce style plus souvent. Elle nous gâte le coin, là, elle enjaille l'extérieur. Mais bon, il y a l'espoir.